Good morgen, allez, Iden et Sussra aujourd'hui, Leilou Nishmat, Richard, Aaron, Ben Fortune Mazal, ainsi que leur fratrana, les Abad Gitel, Deborah, Sarah, Bat Nechama, et Efrat, Bat Sarah, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude, Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sarah Chikalim, Perek Aleph, Mishnah Vav, Ve Elou, Shechavin, Bekalbon, Leviim, Ve Israélim, Ve Gerim, Ve Avadim, Meshuch Rarim, Avaloko Anim, Menachim, Ve Avadim, Ktanim, Ashokel, Aliede Kohen, Aliede Isha, Aliede Eved, על ידי קטן, פטור. ואם שקל על ידו ועל יד חברו, חייב בכלבון אחד. רבי מאיר אומר, שני כלבונות. הנותן סלע ונוטל שקל, חייב שני כלבונות. Bon, vous avez sûrement découvert un mot très original que vous ne devez pas savoir ce que ça veut dire, le mot kalbon. Qu'on commence. La Mishnah me dit, Velo Shachavin Bekalbon. Voici ceux qui doivent payer là, le Kalbon. Kalbon, c'est une commission. À savoir, d'abord, on va y aller doucement. Il y a, lorsque je vais donner un Machatzita Shekel, alors un demi-shekel, en fait, le shekel, c'est ce qu'on appelait à l'époque, elle s'appelait le Sela. D'accord? Il fallait donner donc la moitié du shekel, donc il fallait prendre un Sela et le couper en deux. Bien sûr, le couper en deux, ça veut dire on partait au changeur, le changer. Le changeur, lui, il avait. Il faisait des changes, donc, il avait toutes sortes de pièces chez lui, mais il prenait sur ça une petite commission. D'accord? On verra dans la prochaine Mishnah de combien était cette commission par rapport à la valeur de la pièce. Le principe de la Mishnah, il va être donc de m'enseigner que lorsque tu vas partir faire donner ton machatzita shekel au Hikdesh, selon la situation, si en théorie tu aurais dû avoir affaire à un changeur, au lieu d'aller au changeur, tu es parti directement au Hikdesh pour recevoir la monnaie, eh bien, tu devras quand même, malgré tout, laisser le petit kalbon, la petite commission. D'accord? Le mot kalbon vient du mot kalben, quelque chose de léger entre deux. Soit, entre deux pièces que je veux changer, il faut laisser un petit chouïa. D'accord? La Mishnah, elle m'enseigne maintenant. Je vais expliquer, c'est un peu vaste en fait. C'est un peu vaste. D'abord, je vais vous dire à l'oral quand même quelques petites notions de base qui découlent du pirouge du Barthénora. Ce devoir de payer cette petite commission, elle est uniquement lorsque tu ne vas pas payer le vrai Machatzita Shekel. Parce que tu vas payer plus et qu'il va falloir que le Higdash va te rendre de l'argent. D'accord? C'est une manière, de manière générale, on peut le poser comme ça. C'est-à-dire, si je vais au Bethamin Higdash ou au trésorier, je lui donne un vrai Machatzita Shekel, selon Chachamim, je suis dispensé. Selon Rabbi Meir, je serai chayav, j'expliquerai après. Donc selon Rabbi Meir, je suis dispensé de payer la petite commission. Pourquoi? Ce qu'on t'a demandé de payer, pas de payer une commission. Si toutefois tu vas amener une autre pièce, que suite à ça il va falloir te rendre de la monnaie, alors il va falloir commencer à payer la commission. Ou encore, si tu vas vouloir profiter du fait que, au lieu qu'on te rende la monnaie, tu vas plutôt avancer l'argent pour un ami, eh bien, tu vas devoir aussi laisser la commission. Il y a quelques petites exceptions malgré tout. De manière générale, c'est que si je vais payer le Machatzita Shekel, je vais payer un demi pour moi et un demi pour quelqu'un qui est de toute façon dispensé du Machatzita Shekel, ou qui n'est pas imposable au point de lui faire une saisie de bien, eh bien, comme je viens Beit Nadvut, comment dire, je suis généreux, c'est-à-dire, je vais payer le Machatzita Shekel pour une personne qui est de toute façon dispensée du Kalbon. Donc je ne payerai pas le kalbon. D'accord? C'est le principe général, comme ça maintenant on va découvrir tout ça dans les mots. Velu shechayavin bekalbon. Telles sont les personnes qui sont imposables aussi du kalbon, de la petite commission, ou du kolbon. Dans le Barthénois, il écrit ça avec un vav. Leviim, les Leviim qui payent leur cotisation. Ve Israélim, tous les peuples d'Israël. Ve Gerim, et les convertis. Va Avadim, Meshuchrarim. Et même aussi les esclaves affranchis. Tout le monde, en fait, doit payer le kalbon, à l'exception, par contre, de Avalo Kohanim, mais pas les Kohanim, Benashim, Vavadim Uktanim, les Kohanim, les femmes, les esclaves et les enfants. Femmes, esclaves, enfants, on les connaît, ils sont dispensés, ils ne doivent pas payer le Machatzita Shekel, ils ne sont pas imposés. Du coup, ils le font, alors c'est logique, quelqu'un qui vient vous cotiser alors qu'il n'a pas d'obligation de cotiser, vous n'allez pas commencer à lui taxer le fait que maintenant vous allez avoir une quelconque perte. Ouais, j'ai oublié de rajouter un petit détail. Le kalbon qu'il faut laisser la petite commission au Beth Amigdash, parce que finalement le Beth Amigdash,
il va y avoir une certaine perte qui va se répercuter ensuite sur la caisse du Beth Amikdash. Des fois, il va falloir, si vous nous allez lui donner des grosses pièces, il va falloir lui-même, le Beth Amikdash, pour pouvoir avoir des petites pièces, il va devoir partir chez le changeur et laisser la petite commission là-bas aussi. Donc du coup, il n'a pas de raison de perdre, c'est vous qui devez le donner. D'accord? Selon ce principe, maintenant, la Mishnah me dit que les personnes qui n'en sont pas imposées de payer le Machatzit HaShekel, donc Nashim, Avadim, Kutanim, ils seront aussi dispensés de payer les Kolbon. Les Kohanim, ça touche au même problème que dans la Mishnah précédente, que selon la loi stricte Bémet, ils sont imposables. Seulement, on leur exige pas, on leur fait des tovot, on leur laisse le sentiment qu'on est gentil avec eux, on va pas leur prendre cette petite commission. Suite de la Mishnah. Ashokel aliedé Kohen, aliedé Isha, aliedé Eved, aliedé Katan Patour. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'une femme qui va venir payer son Machatzit HaShekel en donnant une pièce de un Sela pour récupérer la moitié. Ou un Katan, ou un Eved, ou un Kohen. Maintenant, on va voir même mieux que ça. Que moi, je dois payer moi mon Machatzit HaShekel. Je vais payer mon Machatzit HaShekel pour moi, seulement j'ai pas de monnaie. Donc je vais prendre une grosse pièce dans celle-là et je vais l'avancer aussi pour une femme ou pour un enfant. Et même mieux que ça, c'est prévu que l'enfant après, il va me le rendre, l'argent. Malgré tout, je suis dispensé de payer le carbone. D'accord? Ouais. Première partie de la Mishnah, en fait, on a parlé que c'est l'enfant lui-même quand il va payer son Machatzit HaShekel. Et maintenant, deuxième partie de la Mishnah, c'est lorsque moi, je vais payer pour moi et pour l'enfant. Et on parle que l'enfant, il va me le rendre. Par contre, Vim Shakal Aliado Valiado Chavero, Valiad Chavero, Chayav Bekalbon Echad. Par contre, si moi, je vais partir payer avec le Sela, pour moi, et aussi je ne demande pas la monnaie au Egidesh, parce que je vais aussi le payer le Machatzit HaShekel de mon ami Reuven. Donc du coup, j'ai eu au Egidesh, tiens, prends le Sela, t'as rien à vendre. Malgré tout, il faudra que je paye un Kalbon. D'accord? On parle du cas où je ne fais pas un cadeau à mon copain. Je lui avance l'argent. Donc en fait, je suis en train de lui avancer l'argent. Finalement, il y a ici en théorie, au lieu d'apporter deux fois le Machatzit HaShekel, je me suis débrouillé pour de nouveau apporter une pièce. Il va y avoir une quelconque. Il risque d'avoir une perte de commission pour le Higdesh. Il n'y a pas de raison que je m'en dispense. Je devrais payer la petite commission. D'accord? Maintenant. Là, on va découvrir Rabbi Meir Omer Shnei Kalbonot. Rabbi Meir va me dire non, si moi je paye pour moi et mon ami, je dois payer deux Kalbon. La Gemara, le Talmud Yerushalmi, il n'y a pas de Talmud Bavli sur Shkalim, il n'y a que le il explique la vie de Rabbi Meir, c'est très original. Vous connaissez tous le Midrash que Zeitenu, Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu une matbea shel esh. Il a dit vous donnerez une pièce comme ça pour le Machatzit HaShekel. De là, on apprend que la pièce est en feu. La pièce en feu, ça voulait dire que c'était de l'or pur, ou de l'argent pur plutôt. Or, de l'argent pur, on n'a jamais de l'argent pur, on a toujours de l'argent allié avec un petit peu de fer, un minimum. Du coup, selon Rabbi Meir, en fait, il déduit de cette histoire qu'il faut qu'on se débrouille pour payer la valeur d'un Machatzit HaShekel pur. Or, tu n'auras jamais un Machatzit HaShekel pur, parce qu'il y a toujours des alliages, bah, tu devras ajouter le petit tchouptik, le petit chouïa en plus, la petite commission en plus, en fait, pour pouvoir atteindre le vrai niveau du Machatzit HaShekel, la vraie valeur du Machatzit HaShekel, d'accord? Tel est l'avis de Rabbi Meir. Ok? C'est assez clair pour le moment, on a plus ou moins compris l'idée, principe général donc, d'après Chachamim, on a fait une machloquette très essentielle entre Rabbi Meir et Chachamim, pourquoi il faut payer ce Kalbon? Selon Rabbi Meir, il faut payer le Kalbon pour pouvoir atteindre la valeur d'une pure pièce de demi-shekel. Dans le Michel, de l'argent pur. Selon Khamim, pas du tout. C'est qu'une histoire de commission pour ne pas que le Higdesh va perdre, puisque de toute façon, tu devais toi payer cette commission. On aurait pu jouer les lourds et un pot t'imposer à apporter exactement un demi-shekel. Tu serais parti de toute façon payer la commission. Alors viens, je t'évite le cassement de tête de partir chez le changeur, viens directement chez moi. Il n'y a pas de raison que moi je vais perdre ce demi-shekel. C'est la vie de Khamim. Du coup, selon Khamim, si tu fais une tova, tu fais un acte de générosité envers quelqu'un, tu vas faire cadeau à ton copain, ou bien tu vas avancer l'argent pour des enfants qui sont de toute façon dispensés eux-mêmes de payer. Alors là, on va te dispenser de cette petite commission. Mais si de toute façon, la commission, vous êtes deux personnes imposables en train de le faire, on aurait pu venir te voir,
de prendre le marxiste à Shekel, t'imposer le calbon et te rendre ennemi. Donc du coup, c'est pas parce que tu vas payer pour ton copain que tu vas avancer l'argent pour ton copain que tu vas pas le payer. Jusque-là, tout va plus ou moins bien. Le problème, c'est qu'à la suite de la Mishnah, je suis désolé, j'ai jamais compris ça. Depuis que j'ai étudié un petit peu le Mishnah Shkalim, quand j'ai étudié les Rochalmi, et là encore une fois, j'ai passé une petite demi-heure dessus, j'arrive pas à comprendre cette halakha. Et je vous la traduis. Anoten Sela venotel Shekel. Chayav Shnei Kalbonot. Là, on parle plus. Je récapitule d'abord une première halakha. Lorsque j'amène un vrai Machatzita Shekel, c'est écrit dans le Barthénora, j'amène juste le Machatzita Shekel, je suis dispensé du Kalbon. J'ai le devoir de payer le Kalbon que quand je vais commencer à, quelque part, à vouloir contourner une commission de changeur face au Hekdesh. Du coup, il n'y a pas de raison. Le Hekdesh, il est gentil. Au lieu de me casser les pieds à m'envoyer chez le changeur, il accepte l'argent, il met dans la commission à la place. Le taux de change. D'accord? Jusqu'à là, tout va bien. On a vu des cas où je paye pour moi et mon copain. Là, maintenant, je viens payer que pour moi. Je vais donner une pièce de 1 Sela et récupérer un shekel. Quand je récupère un shekel, c'est en fait un demi-shekel, d'accord? Donc en fait, je vais donner la grosse pièce pour récupérer la demi-pièce. Alors là, la Michel m'enseigne, je dois payer 2 kalbonot. Alors, au sens simple, on aurait pu dire que c'est Rabbi Meir. Effectivement, il y en a une vie dans la grammaire qui dit que c'est Rabbi Meir. Mais c'est retenu, et le partenariat, tout le monde retient la vie qui pense que non, c'est pas d'après Rabbi Meir, c'est d'après Ramim. Même d'après Ramim, il faut que je paye 2 kalbonot. Bien que finalement, apparemment, alors, la motivation, c'est telle que je déduis malgré tout, parce que j'ai pas compris la logique, mais j'ai quand même compris ce qu'il y a écrit. C'est-à-dire, je vais sûrement lire et répéter ce qu'il y a écrit. Et il faut que je paye, premièrement, puisque moi je vais pas payer le demi-shekel comme il se doit, je vais payer un sel entier. Donc premièrement, par rapport à mon demi-shekel, je dois déjà payer un premier kalbon. À cause de moi, le Hekdesh, il va devoir payer une commission. Ouais. Si le Hekdesh va vouloir partir acheter, il n'aura pas de monnaie, il va devoir partir payer la commission. Donc, moi, premièrement, puisque toi, tu ne payes pas le Machatzita Shekel comme il se doit, premièrement, pour le Machatzita Shekel, pour la moitié de cette pièce que je suis en train de donner, je dois déjà payer un premier kalbon. Et en plus de ça, étant donné que maintenant, je vais récupérer un demi-shekel du Hekdesh, alors là, quand le Hekdesh va me payer le demi-shekel, je dois aussi payer un deuxième kalbon. Comme si que finalement, c'est comme ça que le Barthénora explique, on n'a qu'à le lire ensemble si vous voulez. Noten shne kalbonot. Be'a modet anakama de noten shne kalbonot. Sur ça, Chachamim, le premier avis, il pense réellement qu'il faut payer deux fois le kalbonot, deux fois la petite commission. Premièrement, echad kalbon le echrea machatzita shekel shu noten min ekdesh. Premièrement, payer le kalbon, qui le echrea, ça veut dire qui pour faire compléter la valeur perdue de la commission, du machatzita shekel. Que je vais prendre du Hekdesh, puisqu'en fait, je donne, dès que je vais récupérer une pièce de Machatzita Shekel du Hekdesh, peu importe dans la circonstance, si je récupère une pièce du Hekdesh, il faut déjà que je paye un premier kalbon. Et en plus de ça, Ve'echad et un autre, des Kevan Delo Shakal Machatzita Shekel, comme Moshe Katsuf Batorah, il travaille avec kalbon. Puisque je n'ai pas payé le Machatzita Shekel comme ce qui est écrit dans la Torah, parce que la Torah m'a dit tu payes un demi-shekel, pas un shekel et tu un pain, un sela et tu récupères une petite pièce, tu dois porter un demi-shekel. Donc du coup, ça m'impose de payer un kalbon, et ça m'impose de poser un kalbon, de payer un kalbon. Comme ça, c'est écrit. Maintenant, j'ai un problème technique, j'arrive pas à comprendre la logique, parce que si je prenais le Sela, tel que je comprends, on vit plus tellement dans cette réalité de changeur, et qu'il faut payer la commission, si je prenais un Sela pour partir récupérer deux machatzita shekel, combien de chez le changeur, j'aurais dû payer un seul kalbon? D'accord? Alors pourquoi maintenant, quand je vais avoir, quand c'est moi qui vais avoir affaire, maintenant, donc finalement, je vais au Beit HaMikdash. J'ai qu'à dire au Gizbar, viens, je te donne un Sela, tu me donnes deux pièces, je dois payer un seul kalbon. Alors que ça peut faire si maintenant je t'en laisse une? J'ai un problème, Kanyri. Apparemment, j'ai pas bien compris la réalité du kalbon et la réalité des changes de l'époque. Il doit me manquer un élément, j'imagine. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé de réponse, je suis désolé, quoi, mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Salam.